Hello tout le monde, c'est Silent et on se retrouve sur une run de Binding of Isaac. Toujours avec le petit Keeper. Alors. Allez. On va aller sur ce boss rush. Donc qui dit boss rush dit rush dans tous les sens. Donc let's go, rushons. J'ai un petit peu bourrin, c'est pas tout ce que t'as envie de faire avec ce perso, donc c'est un peu chaud, mais pas le choix. Ok. Paf paf paf. Lock up deux fois d'entrée, c'est bien, c'est très très bien. Ok, ça va. Et la piste de 10, c'est ce qui compte le plus. Je suis même content d'avoir ici le méga Satan dans la dernière vidéo. Putain, ça fait plaisir, les gars. Vous vous rendez même pas compte. D'un moment que j'arrivais pas grand chose avec le perso, et du coup, là, ça. Oh là là, trop bien. Vite. Donc quand on prend des coups, on a une chance de drop une pièce, et ça, c'est clairement le but qui va jusqu'à Delhi. Prenons ça, barrons-nous. Aïe 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 aïe, je fais nimp. Lock up à nouveau, trop bien. Waouh, ok. On va faire un autre truc. N'a pas trop le temps de réfléchir, mais hop, c'est toujours utile la box of friends. Donc on prend. On va toujours finir avec un pet ou deux, donc dans tous les cas. Et vous savez à quel point je porte de l'importance au pet, moi, généralement dans le jeu. Hop. Il en reste une dans un coin là, qui fait la conne. Allez, viens par là. Let's go. Pin. Ah merde, bon ça va. Tant qu'on redrop la pièce derrière, il n'y aura pas trop de stress. On prend, on réfléchit pas, on se barre. Bim, on fume ça, baf. Let's go. 2036, c'est pas mal pour un étage qui s'est bien passé. C'est pas mal, c'est pas mal. Aïe aïe aïe. Tranquille, ça va le faire. No stress. Bim bim. C'est pas ce que je vais faire, mais c'est très bien. Donc, ça on veut. Et la target on veut aussi, donc faudrait 30 pièces. Aïe aïe aïe. Oh non! Alors, faut qu'il y en ait un qui vienne vers moi et qui drop une pièce rapidement. Ok. Abondance, mais damn! C'est nouveau ça? Je sais pas ce que ça fait. Ah! Ah! Je sais pas, elle est partie. Je crois que c'est une pièce qui spawn à l'infini. Ah là. Elle a disparu. Je sais pas, elle m'a donné 8 pièces. Mais on peut aller prendre déjà nos items. Hop, 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 hop. Tac, qu'on voulait. Alors, ça. Ça. Voilà, on est assez protect là. Là, on est assez protect. Normalement, si on fait pas trop le con, ça devrait le faire. On va éviter de faire le con quand même. Allez, on se barre. On va quand même checker ça. On va
C'est quoi? Vas-y, on fait ça. Ouais, non, on va rien changer parce que j'ai besoin de ce truc en fait. Donc, non. Pas ouf les coffres. Dommage, dommage. Tant pis. Wormwood, ouais, y aller. Phase 2 déjà. Je peux vous dire qu'on a des sacrés dégâts là. Le boss rush là qui va bien se tenir. Enfin, sacré dégâts et sacré survie en fait. Déjà, on est vraiment très bien. Ouf, putain. La brimstone, ça aurait été tellement bien là. Ouah, c'est dommage de passer à côté de ça là. Attends, merde, je vais me mettre des dégâts pour eux. Oh là là. Oh, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Tant pis, on va prendre le stapler, ce sera déjà bien. Ah là 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 là. Ah, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. C'est pas grave, on n'a pas le temps de réfléchir à ça. En fait, si j'avais pas de mouche, j'aurais pu me tenter de proc à l'infini des pièces qui tombent en me tapant sur de l'araignée. Histoire d'acheter des objets, mais bah non. Ok, allons vite au marchand. De nouveau, il y a quasiment tout qui est bien. Hein. Je prendrai tout sans hésiter. Donc, on va essayer de se mettre le max de thunes rapidement. Histoire de faire ça. Allez. Bon, tant pis pour ça. La salle de rue, on va la skip encore. Let's go. Allez, venez par là. Tac. On va déjà faire le boss, je pense. Hein. On va voir si Satan il rouvre ses portes ou pas en fait. Ah, ça va pas soigner. C'est un peu chiant ça, bon. Il y a la mouche là. Ok, bon ça je m'en fous un peu, je préfère prendre les pets qu'il y a au marchand et les toothpicks je pense. Ce sera meilleur. Des bombes, des bombes, des bombes, des bombes, ok. Alors... On prend ça, on prend ça. Je sais pas si je vais prendre plus. Bon, vas-y, on a la box. Prenons tous les pets, on sait jamais. On va quand même faire le reverse ou pas, je pense, hein, parce qu'il nous faut des thunes. Non, arrête de faire le con. Ah, c'est là, c'est mon pote ça. J'essaie de taper la mouche, là, mais qu'est-ce qu'elle prend pas de dégâts, c'est quoi ce bordel? Ah, il rajoute plus une pièce plein de fois, mais je sais pas si c'est aléatoire ou si plus on le chope vite, plus ça en donne.
Je sais pas du tout comment ça fonctionne, les gars. J'ai pas ramassé l'autre pièce de 5, mais t'es sérieux? Ok, gardons ça juste pour le boss. J'ai pris des risques stupides. Ok, on va reprendre ça. Ok, bon bah on a fini l'étage. Plus ou moins il y a encore une salle qui est possible. On va la faire vite fait. Ok, on se barre. J'ai même pas d'aller prendre la deuxième partie du couteau. Merde. Gardons ça. Attends, il y avait d'autres trucs à acheter, je crois. Prenons ça, on sait jamais. Bam, plus de clés. Donc 10 minutes pour 3 étages, si je me trompe pas là. Ça peut le faire. Allez, on y croit. Let's go, la seringue. Je pense pas que ça valait la peine là. Cool. Size down, on est tout petit. Elle paye bien nos salons, enfin nos ralentis salles dorées avec ce perso. Bon, on est bien récompensé. Non. Let's go. Encore? Je suis déjà le max maximum en taille, non? Merde, j'avais pas vu Navi. My bad Navi, j'arrive. Fais chier, cette pièce on l'aura pas. Tac, merci pour l'info Navi. Putain, je suis tellement minus les gars, c'est... La mouche est plus grosse que moi, hein. Prendre ça, faire sauter ça. Le problème c'est qu'on n'a pas Mastune non plus. Ah putain, je galère. On va prendre ça, on va se barrer. Fast. Ok, pas mal de thunes, c'est cool. On n'a pas le temps pour ça, let's go. Nope. On se barre. Ça nous fait quoi, 8 minutes pour 2 étages là? Ça va le faire. Ok. Alors, je préfère ça et essayer de décaler le coffre là-bas pour... Bon, merde. Perd trop de temps, barrons-nous. Ah, je l'ai vu. Ah, nul. N'a pas le time, let's go. Après, vu les dégâts qu'on impose, on n'a pas trop de soucis à clear les salles quand même. Bon, pas les salles à la con comme celle-ci.
lui fait une carte death sur tout le monde si on le fume, donc ça devrait être clean la salle. Let's go. Ah là 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 là, Navi, j'ai pas trop le time, hein. Tu sais bien, tu le sais bien. Ah, j'ai du mal, j'ai du mal. Oh putain, je me voyais plus. Quelle horreur. Ah putain, je me confonds avec le bébé rouge, c'est horrible. Quelle horreur, mon dieu, ça va être l'enfer. Fast, 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 fast. Merde. Ah non, quand même, salle dorée, marchand, quand même. Putain, allez. Oh là 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 là, j'ai pas le temps pour ce genre de salle, connerie. Prends, on se barre, on s'en fout d'appuyer sur les boutons. Pas trop, prends tout ce qui te paraît bien, vite fait, boum, barre-toi. Bon allez, ça va le faire. Moi je pense que c'est une belle run. Les dégâts sont dégénérés les gars. Écoute, on a trop de thunes, je pense, pour l'étage suivant, et on n'aura pas le temps de tout choper, donc prenons ça. Et rush, 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 rush. Oh merde, la salle à la con. Oh là 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 là. Ouvre ta tête. S'en fout de la clé, on en aura assez. La lock-up, ah yes. Au pire, on aura encore le chop à Hoche, hein, donc ça va. On n'est pas trop à plaindre encore, on va vite checker quand même. C'est pas la meilleure des idées. On s'en fout. Ça fait un bon bout de mauvais chemin, ça, quand même. Hein. C'est pas fou. Tant pis la clé, on s'en fout. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, je lui ai été touché, c'est pas grave. Pas le temps pour ça. Meurs, 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 vite. Prenons ça. Bon, je suis encore moins me voir. Des. Des. Tuons le marchand. Barrons-nous. Take it. You don't care. You don't have the time, anyways. J'ai trop du mal à savoir où je suis. Hein. C'est une horreur. Ok. Bon, on est arrivé au bout. This one. On va prendre ça, je pense. On va claquer ça. Oh lol, les dégâts. Oh lol, les dégâts, les gars. Mais quelle violence! C'est quoi ces pins?
Pardon les dégâts. Ok, un drop. La petite gurgling dans le coin là-bas. Oh, tous les pets. Les brother Maggie et sister je sais pas quoi là. Enfin, brother Bobby et sister Maggie, voilà. Le build de fou, les gars! Oh mon dieu! C'est ça qu'on veut! Bim! Mon dieu, ce delete. Ah, attention à la gurgling. Attention le bloat. Meurs. Oh là, tous les pets, les gars. Soul of the Keeper, y'a quoi, les gars? Y'a quoi? Allez, on se barre. Waouh, c'est la run de la colère. Hein. Et là, avec le boost de dégâts qu'on a eu du machin, là, le, comment ça s'appelle? Hop, on a le nom là, Red Stew. Pff, c'était juste incroyable. Bon timing, quoi. 10 minutes pour les deux étages. Let's go, on s'en fout des coffres, là. La thune sera quand même un petit peu importante pour qu'on puisse acheter au marchand suivant, là. Donc, essayons de récolter quand même un petit peu de... Wow, un petit peu... ok, bon bah... Beaucoup de thunes. S'en bat les couilles. Le camo kit, par contre... j'aime pas du tout, là. Bon, tu meurs. Salaud. On s'en fout de ça. Bam bam bam. Alors plus je me bougerai le cul et plus ce sera facile parce qu'on aura le Red Stew qui sera encore proc. Donc bougeons-nous le cul. En fait, que ce soit le bon chemin, j'ai pas le droit de faire cette salle à la con là. En fait, que ce soit le bon chemin, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, on va éviter. Par contre, je t'ai vu, Navi. Ah merde. Il y en a combien? Deux en tout cas. Bon, on saura jamais combien il y en avait au total. Peut-être trois. Ok, juste aller là-bas dedans moi. Ah bah. On va les fumer comme ça, on n'aura pas à les refaire. Ok, c'est bon. Bon, les pilules, on va éviter. Je pense qu'on se dirige au bon endroit normalement. Ça m'en a tout l'air. Ok, cool. Facile comme boss. Let's go. Wafer, bah écoute, on va le prendre, ça sert pas à grand chose, on se barre. Alors, je réfléchis juste s'il y a autre chose à faire, mais je crois pas. Non, let's go. Hein. On n'a pas grand chose dans le build, hein, mais c'est tellement puissant. Et là, comme je dis, tant que le Red Stew et les proc, les dégâts, c'est n'importe quoi. Hein. Je vais pas vous mentir, je me dirige plus avec le Cube of Meat qu'avec mon propre personnage. Hein. J'arrive pas à savoir où il est exactement. On va prendre le Ghost Baby, c'est sûr. En tant qu'à faire, on va prendre ça aussi. Ah non, mais Dark Art. Non, non, non. On va multiplier les pets, je pense que c'est plus intéressant. Ah, Dark Art, c'est quand même fort. Ah, c'est chaud.
Dark Art, c'est trop fort. Continuons. Je crois que c'était le truc qui avait une chance de faire des dégâts quand tu te faisais toucher. Des dégâts dans toute la salle, quoi. Mais Dark Art, c'est goldé, quoi. Ce qui est cool, c'est qu'on a proc Conjunate Friend, donc ça, c'est bien. Comme quoi, vous voyez, j'ai pris le truc sans savoir que j'allais avoir des pets et bah, j'en ai eu tout plein, quoi. Donc, à chaque run, vous allez en avoir des pets, les gars, donc il faut pas hésiter, hein, c'est. La box c'est un des meilleurs trucs. Je t'ai vu toi, je t'ai vu. On a le time hein, du coup on prend un petit peu notre aise là. Écoute c'est cool. Au moins. Ah là le cup, tant pis. Ok, la thune s'il vous plaît. Je viens de trop. J'ai appuyé sur Dark Arts 3 fois, mec, j'ai appuyé 3 fois. Putain, mais non. Oh là 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 là, j'appuie trop tard. Fuck it, j'ai la haine. Oh mon dieu. La run de la gratuité les gars. Putain. Pff, ouais bah maintenant vas-y hein. Vas-y pour le faire à nouveau quoi. Oh là là. Bon le boss rush c'est fait mais putain le délirium là. Le build était tout fait pour le délirium quoi. Nique toi quoi. Nique toi aussi là. Ça le prix. Toi aussi, nique-toi. Ah, oh, j'ai la haine, les gars. J'ai envie de me démolir. Ah, j'ai vu la bombe, je me suis dit, putain, Dark Arts, Dark Arts, Dark Arts. Et non, it was already too late. Putain. Ça fait chier. Bon, c'est pas ce qu'on achète, c'est un peu casse-couille. C'est vachement bien ce truc de pièce dorée par contre. Ouais c'est complètement cassé quoi, c'est trop bien. Ok. Oh là là. Ah ça me travaille les gars, ça me travaille mais de ouf. Oh mais t'es sérieux mec. Ah c'est bon hein, j'ai compris, elle est là la salle. Mais quoi? Ouais elle est à gauche, enfin en haut de la... L'autre connerie là-bas. Ah vous savez quoi? Bim, de toute façon je sais pas ce que j'achète. Ah bah. Je suis content ou pas? Je suis trop content les gars, je suis vraiment trop heureux, je tiens à remercier toute ma famille, mon grand-père, ma grand-mère, ma cousine, bon, franchement là je remercie toute la famille, un super taf, on apprécie. Ouais, merci pour la clé, merci. Ah la curse humility qui tombe et moi qui fonce sur l'autre machin, putain. C'est pas grave, hein. Tant pis, hein. C'est fait, c'est fait. Can go back, hein, sadly. Je crois que c'est celui-là qui rush 3 fois celui-là. 4 hein. Même. 4. Ah, c'est con, tu fais des caca, mais tu te bloques toi-même derrière. Hein. Un petit peu con, quoi. Ben on va le prendre. Let's go. Oh bah sur le dernier poupe. Sérieux quoi. Allez on rush, on n'a pas le temps de réfléchir. Ah purée ça me fume les gars. La run elle était... Elle était tellement mais auto win quoi. Vas-y YOLO. Y'a une fucking spider. Mais t'es sérieux mec, je la vois pas. Oh.
M'en fous, je voulais la pièce. Je m'en fous, je suis en colère. Oh là là, fais chier quoi. Vite! La pièce dorée. Ce truc c'est trop bien, hein. C'est vraiment trop fort et ça proc trop souvent. Waouh, la thune qu'on a fait les gars, incroyable. J'essaie de proc un truc hein, qui tombe un objet de l'ange ou un TP à l'ange, je dis pas non. On va essayer. On verra bien ce que ça donne. Hein. Pire, de toute façon, j'ai crevé à la salle suivante comme un enculé, comme d'hab. Hein, pour changer. Après, peut-être que la pièce elle proc souvent avec ce perso parce que lui il loot des pièces de base. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Ah merde, je vais pas aller là. Ah, je suis con. Ça commence les conneries. Les conneries commencent. Enfin, elles recommencent plutôt. Ah. Tranquille, no stress, ça va le faire. On va sacrifier tes points de vie là-bas, vu que t'as envie de tester ça. On sait jamais, hein. C'est un truc cool qui va tomber. J'ai failli aller me brûler les queues là-bas, les gars. Hein. J'ai failli. Alors, spawn a little red ghost for each enemy killed and explode when another enemy touches it. Hmm. Ouais, buff right c'est excellent, ça c'est bien aussi. Faisons sauter les persos, je m'en fous, ils m'ont saoulé. Ah, voilà les petits red ghosts qui spawnent. C'est pas forcément ouf, c'est marrant parce que c'est un passif mais activable, tu vois, c'est un peu chelou comme principe mais. Mais ok! Ils ont toutes des dettes différentes. Ah, je peux les faire péter moi-même. Ok, c'est pour ça qu'ils sont activables alors. Aïe, je sais pas s'ils me pètent à la gueule par contre. Non, ils me pètent pas à la gueule. C'est une bonne nouvelle. Allons-y au boss. Monstre, il a déglingué tous mes poupereux. Quel bâtard. Je me demandais justement si ça va être plus grand le mob quand c'était tué par un boss. Enfin, un boss tué, et oui, il était vraiment plus grand. Le mom's red lipstick, on s'en fout, donc la range, ça va, on est bien de base avec le keeper. Ça a pas l'air mauvais ce petit fantôme quand même. Mais putain, mais j'en ai marre, je joue comme une merde. Ah, oh, mais nique. Oh, j'ai la rage. Ah, vas-y, nique ta. Je vais la rage quitte cette game, hein. Je vais la rage quitte les gars, je fais n'importe quoi, ça me saoule. Oh purée quoi. C'est pas possible de jouer aussi médiocrement quoi. Le cup cool. Faster explosions, on s'en fout mais on va le prendre quand même. Prenons ça. Allons voir quand même le marchand, on sait jamais s'il y a déjà un truc qui nous intéresse ou pas. Oui, bonjour, merci, voilà. Cadence réduite mais la value est là.
Ah, la tête de mon perso, du coup. Il a l'air heureux dans sa vie, quoi. Il a un de ses trous, frère. Ah, la cadence de tir, c'est pas trop ça. Mais c'est pas grave. Fait déjà le boss. La pièce de 10, cool. On teste. Eh ben, pas oufissime, pas une pièce de 5, pas beaucoup de pièces. Ah là 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 là. Est-ce que ça vaut la peine de tester tout ça? Ça fait perdre une chier de temps quand même. Peut-être pas très malin. Allez, barre-toi. Va juste au marchand, vite fait. Enfin, d'abord fais ça. Lol. Bah, je veux les deux. Je veux clairement les deux, en fait. Je m'en fous. Ah ouais, mais je peux pas avoir les deux. C'est quoi, on va déjà prendre ça. Waouh. Est-ce que c'est gratos ou pas sous terre du coup? Non. Quand même payant. C'est pas ouf le Piper. Mais l'autre petit bonhomme, on le veut bien parce que. Bah, de toute façon, je peux le prendre en fait. J'ai pas les thunes encore, mais je vais les choper. Aïe. L'enculerie. Ah non, j'aurai pas les thunes en fait. Donc tant pis, on se barre. On va sauter ça quand même. Pas un truc. Ah là 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 là. Infestation, ça aurait été bien aussi. Bah merde, hein. Merde, merde, merde. Peut-être un. Sérieux, on va la trouver, on va la trouver. Ça m'a saoulé. On va la trouver cette salle secrète numéro 2. Elle doit être tout en haut, je pense. Juste là. Non? Mais what? On peut pas être là-bas. Là-bas, c'était, il y avait des cailloux. Ah, mais mec, tu veux qu'elle soit où? Là, c'est pas possible. Là, on a testé, mais peut-être que je l'ai mal placé. Ah mais elle peut être là-bas, putain, j'ai pas fait le rapprochement vu qu'il y avait la salle secrète adjacente et du coup je sais pas pourquoi je me suis dit non. Allez, ça meurt. Tout ça pour ça. Bon ok, ça va mais... Allez, on n'a pas le temps. On prend les étages normaux parce qu'on a déjà assez de dégâts. Faut juste qu'on se mette bien en termes de survie. Les dégâts sont là. De nouveau sans le buff right, ça va être chaud pour récupérer les objets, les gars. Et encore chaud, je suis gentil, hein, peut-être avec le terme. Hein. Allez. On le fait sauter. Ouais. Allez hop. Faites pas perdre de temps. Marchand. Je sais pas comment ça marche, mais on va tester. Hein. On verra bien. Pourquoi j'essaie de tout casser? On s'en bat les couilles.
merde, c'est le machin, il y a peut-être une salle secrète là-bas au bout. Ah putain. On va checker quand même. Bah alors, on refait comme avant, tout explosé, et on se barre. Ouais. Ah putain. J'étais pas prêt. On va essayer de forcer un peu ce coffre là. Allez s'il te plaît. Pouah, c'est nul. Qu'est-ce que tu me proposes toi? Je sais pas si ça se cumule donc on va juste skip et on se barre. Tac. Ouais. L'homme qui faisait tout exploser, vous le connaissez? Bah c'est moi. Aïe. Qui se prenait des coups bêtement aussi. C'est toujours moi. MDR. Alors prenons ça. Des damage, je t'en veux. En voilà. On va faire ça. C'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien. C'est pas forcément mieux que ce que j'ai, mais c'est très bien donc. Hop, est-ce qu'on va à la salle d'oreiller? Ouais, on pourrait. Oh putain, flush. Pff, coup de prend. On va vite aller au marchand quand même. Vas-y. Faut plus de thunes vu qu'on a du mal à l'échapper. Malheureusement. Ah bah du coup, on peut aller là-bas, c'est vrai. Paf. Super. Trop trop bien. Trop trop bien. Ok, ça le facile de nouveau. On a tout fait là. Ok, tant que j'arrive à récupérer ma pièce, ça va. Bim, Docteur Fetus, lol. Tears up, let's go, on a besoin de cadence. Ah, shit, bon, tant pis. On va prendre le skip sur la gauche, là. Et on y va. Bon, au moins les étages se font rapidement, mais ouais, c'est un peu difficile quand même, parce que... Bah c'est un build très puissant mais le reste me permet pas de faire grand chose, je veux dire à la moindre erreur je suis foutu quoi donc c'est très très risqué. C'est vrai que j'avais déjà fait le boss, j'avais oublié ça. J'étais en train de me dire merde, il me fallait plus de thunes pour le pacte, mais non. Non, non, non. Allez. Bim.
Bon, écoute, go. En espérant que ça bug pas comme la dernière fois, sinon. C'est là le TF4. C'est pas possible, les gars. C'est juste pas possible. À quel moment, en fait? C'est vraiment buggé, en fait, à chaque fois. J'ai refouté en l'air une run. Putain de jeu de merde, ça me casse les couilles. Je m'arrête là, les gars. Ça me saoule. Edmund, fixe ton jeu, quoi. Purée. Dingue, ça. C'est dingue, franchement c'est dingue. Ça me saoule, allez. Likez, partagez, commentez, pleurez avec moi dans les commentaires. Ciao ciao, j'en peux plus moi.